Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, une vidéo du soir, parce que je suis allée à Action aujourd'hui, chercher 2-3 bricoles et je suis tombée donc sur ça, voilà. Donc les crayons de couleur par 36. Je sais qu'il y en a certaines qui en avaient déjà parlé depuis un moment. Donc je les ai pris pour parce que bon, je vais m'en servir. Voilà. Et je suis en bas aujourd'hui, je suis dans mon salon. Donc Fifi est là. Donc c'est pour ça que la luminosité n'est pas très bonne. Et bon, là, il y a ma télé qui me tape dans les lunettes. Et puis on est au soir, hein. Il est quoi? Il est 22h. Donc voilà. Puis Fifi, comme ça, vient vous dire bonjour. Hein, Fifi? Viens dire bonjour? Non, commence pas à montrer tes fesses, comme d'habitude. Dis bonjour. oui. Alors, donc comme je vous disais, donc j'ai voulu prendre ces crayons de couleur pour voir ce que ça donnait. Je ne les ai pas encore essayés. Donc, je vais voir avec vous. Ah, déjà, ça commence à m'embêter. Déjà, en ouvrant la boîte. Alors, oui, mais là, que tu te pousses, mes mères. Alors, c'est une boîte en bois, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Alors, déjà, il y a une mine cassée sur un crayon. Deux mines cassées, donc c'est super. Bon, j'ai deux crayons qui n'ont pas de mine. Il faudrait que je taille. Voilà. Je vais mettre dans ce sens-là. Vous voyez le crayon. Bon, donc il y a deux mines cassées. Mais bon, encore ça, c'est pas trop grave. Hein. Je vais les tailler. Et ce que je veux surtout voir, c'est la qualité au niveau de la couleur. Donc, je vais essayer avec mon petit cahier de coloration. Donc, c'est un cahier que je griffonne de temps en temps. Ou même quand mes petits-enfants viennent, ils griffonnent dessus aussi. Donc, je vais prendre un petit dessin au hasard juste pour faire un essai. Donc, un petit truc facile. Pour voir ce que vraiment donne la couleur. Tu te pousses, ma grosse. Pousse, 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 pousse à maman. Tiens, tu reviens. Il y a là, hop, en haut du fauteuil. Donc, on va prendre une couleur. N'importe laquelle. Juste pour essayer. Voir si la mine est assez grasse ou pas. Et... bon. Pour l'instant, ça me paraît pas mal. La mine me paraît assez grasse pour colorier. Elle ne fait pas trop de, vous savez, de lettrés. Donc là, ça va. Donc, je vois en passant une autre couleur. Ce que ça donne. Bon, c'est pas des aquarellables, hein, je pense. Non, c'est juste des. Alors, c'est des. Où est-ce que c'est marqué en français? Qualité supérieure de crayon avec mine tendre. Voilà, pour une puissance optimum de couleur. Voilà, donc c'est que des crayons de couleur tout simple. Mais non, ça va. Donc, je prends une autre couleur pour voir ce que ça donne. C'est vrai que moi, ici en bas, j'ai pas trop. Je vois pas trop les couleurs. Non, ça va.
Je trouve quand même beaucoup mieux que la première boîte que j'avais achetée. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, ça fait pas mal. Parce que j'avais pris la première boîte, vous savez, la petite, où il y en avait 10 dedans, je crois. Et là, j'ai trouvé très sec. Vraiment très, très sec. Et vraiment impossible de faire quelque chose avec. Et là non. Ils sont, comme ils disent, bah, tendres. Ils glissent très bien. Et voilà, permettent de ne pas trop voir les traits. Sans quand vous coloriez, c'est pareil, il ne faut pas hurler comme ça. Il faut que votre crayon tourne un peu pour pas que vous ayez des traits. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Voilà. Non, mais là, ça va, très bien. Ils sont très bien par rapport à l'autre. Voilà. Donc non, ça va très très bien. Pour le prix, ils sont bien. Alors ceux-là, ils étaient donc à 3,90 euros, je crois. Oui, ou 95. Bon, pour 36 crayons, c'est vraiment très bien. Voilà, donc c'était la seule chose que j'avais achetée, hein. Bon, j'espère que vous voyez bien. Je vous dis par rapport à la petite boîte, c'est la boîte qui est en métal, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on voit la télé dans mes lunettes. Parce qu'en même temps, il y a le meilleur pâtissier à la télé. Et donc la boîte en métal, là, les crayons sont nuls. Ils sont vraiment trop trop durs. Donc voilà, bah je voulais vous faire cette mini vidéo pour vous dire ce que je pensais de ces crayons. En même temps, ça me permettait de vous faire un petit coucou. Et vu l'heure qu'il est, il est 22 h. Bon, je ne sais pas si vous aurez la vidéo ce soir, le temps que je fasse le petit montage. Mais sinon, je vous fais les gros gros bisous. Fifille, vous voulez faire un gros bisou? Bon, elle boude. Il est là. Alors, je vais vous prendre avec moi pour vous montrer Fifi. Fifi. Regarde. Tu dis oui? Tu dis bonne nuit? Bonne nuit, les copines. Bonne nuit, les copines. Non? Tu boudes? Elle boude, c'est le soir. Elle est fatiguée. Donc, voilà. Je remercie également ben, celles qui m'ont demandé des nouvelles de mon petit pépère. Ben, aujourd'hui, il va un petit peu mieux. Hein, grâce aux médicaments que le véto lui a donné. Il a mangé aujourd'hui un petit peu. Donc, ben, ça nous rassure. Voilà. Et voilà, ça y est, Fifi est venue. donc, je vous remercie pour ceux qui m'ont demandé des nouvelles. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Peut-être demain, si vous êtes sage. Je ne sais pas, je verrai. Demain matin, on va être pris. Demain matin, je vais faire du cartonnage. Donc, je vais essayer de vous faire un tuto. Je pense que vous aurez la. Enfin, si j'ai réussi à le faire, enfin, si j'ai eu le temps de vous faire le tuto, j'essaierai de vous mettre en ligne donc une vidéo vendredi ou plus tard samedi, le tuto ben, du cartonnage hein, de ma boîte. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis
À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, bisous bisous.